Free Spirit presents Dem System Set, The Matrix Part 3. Hey there, if I and I are listening here, it's coming in a nutshell, but we need it. I saw them set to keep the family out there fighting. While the slave masters chasing, yet we all are one skin. Them system set to keep the family out there fighting, and the slave masters chasing, yet we all are one skin. Hey, out in the streets, you them hustling as a full feet. And Babylon control them thinking, put one against another and I shot them teeth. It makes no sense. I fight for master, we are out on what left. Tell me who, how are the prophets? You, oh, them set to keep the family out there fighting. While the slave masters chasing. Par le pouvoir du tout puissant, le Dieu unique, garant de l'ordre suprême établi, gardien des âmes, justifié et détenteur du pouvoir ultime, justement utilisé dans le jugement équitable des créatures. Nous, nous inclinons une fois de plus en demandant que le propos amené soit correctement diffusé dans les règles de l'art et donc en toute vérité. J'honore par la parole de vérité la mémoire des miens, mes vénérables et méritants ancêtres. Par là même, je rends hommage aux familiers esprits et êtres de lumière ainsi qu'aux vénérables grands maîtres des arcanes. Je salue enfin fraternellement l'ensemble de mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Mes amis, dans un premier abord en surface, nous avons pu voir à quel point ce que nous avons qualifié de système œuvrait à contresens du type de vie qui nous a rangé à travers l'exposé de quelques-uns des artifices efficacement utilisés à cet effet. Nous avons vu dans une moindre mesure en quoi cela s'écartait et nous écartait de la réalité, en argumentant dans un premier temps autour de la réalité des lois, des théories et des organisations, pour ensuite comparaison et appréciation. Nous sommes partis de l'exposé du cas de l'identité pour ensuite constater la réalité du système argent-dette et ses implications. Puis, avons parlé éducation dans ce qui l'a caractérisé, des enjeux de la société du spectacle et du divertissement, avons abordé quelques types de conditionnement, de manipulation, les facettes de l'économie, la finance et la réalité de la monnaie et son usage, la réalité du secteur de la santé et du marché de l'alimentation, l'environnement et l'état des relations entre hommes, entre autres. Voilà où nous en étions. Et partons donc de là pour continuer en indiquant. Nous avons jugé plus adéquat au lieu de juste verser dans la complainte ou le perpétuel exposé, de continuer la série Matrix en ouvrant une fenêtre sur l'aspect pratique reposant sur la mise en œuvre de solutions idoines, accessibles et probantes au regard notamment des défis et enjeux actuels. Et ce donc en faisant l'effort d'avoir la lecture simple et claire qu'il faut pour cerner un ou des faits, en s'écartant de toute l'ambiguïté qui ressort de la pléthore d'informations de tout type disponibles en masse, afin de notamment massifier, mes amis, l'état d'incompréhension générale requis à la perpétuation du système en question. Ceci dit, pour balayer tout faux débat,
éventuellement envisageable pour fonder une critique autour de fourre-tout tels que l'incomplétude ou le focus sur les détails insignifiants dans le fond. On ne fait donc la leçon à personne ici. Nous partageons humblement nos réflexions sur des sujets non maîtrisés en général et ne nous réclamons pas constituer une source d'information relevant de l'encyclopédique. Nous avons juste le mérite d'oser la réflexion et l'action en étant donc bien conscients. Nous restons assurément en action. Voilà donc pour le dépoussiérage d'entrée de discussion. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais faire, si vous le permettez, c'est d'élargir la réflexion, en restreignant ou simplifiant pour me poser une question simple. À quoi ça rime tout ça? Pourquoi tout ça en fait? Pour où allons-nous exactement? On le fera une prochaine fois, si permis par la volonté divine. On va donc débunker en philosophant un peu, une fois n'est pas coutume. Ma réponse à cette question n'engage que moi et je ne peux dès lors en garantir que l'honnêteté. Ce que je crois, c'est ce que relatent beaucoup de textes anciens, de livres saints, c'est-à-dire le fait que l'homme soit là pour découvrir et se parfaire. Dans quel cadre là aussi sera pour une autre fois. Ce qui fait donc que le terrain d'évaluation soit hostile, c'est-à-dire qu'il présente des obstacles à franchir et que pour chaque ou toute chose, il faille quelque autre chose. La succession des cycles selon les astres peut se voir superposée à celle moins longue ou ceux moins longs des époques, des ères, des civilisations, non pour comparer, mais juste pour observer et analyser. L'analyse montre des influences diverses et liens de cause à effet entre autres. À toute époque, je pense, car je n'y étais pas, il y a des problèmes à régler qui s'opposent aux hommes selon l'environnement à maîtriser pour y maintenir la vie. Je pense, en continuant, qu'au fur et à mesure de l'évolution, la nature des problèmes à régler a changé. L'accès à une solution ici, créant un autre type de problème là-bas. Le fait donc qu'aujourd'hui le problème soit une certaine forme de domination ou de contrôle ne contrevient pas à la logique d'ensemble pré-expliquée. Nous n'en prenons peut-être pas conscience, mais collectivement nous suivons tous une direction qui forcément nous amènera quelque part. Si c'est bien ou pas, c'est autre chose, mais la chose est que c'est le problème de notre temps. Pour nous permettre d'arriver à nos fins de liberté, pour nous apporter plus de paix et moins d'incertitude, il faut bien comprendre avec un esprit bien entraîné et donc capable de dépassement. Nous sommes dans l'ère, mes amis, où les hommes doivent se dépasser car ceux qui se dressent en face d'eux les dépassent sur trop de plans. Le retard est alarmant, mais l'homme reste l'homme malgré tout, capable du pire certes, mais aussi du meilleur en tout temps, en tout lieu. Une fois que l'homme arrive à se dépasser en brisant toutes ces chaînes qui le retenaient, il peut dès lors se mettre en action. Pour le groupe indirectement, en juste directement et simplement suivant sa voie propre. Et c'est sûr que ce type de dépassement contribuera. Quand donc on appelle les esprits à se libérer, ce n'est pas pour monter des factions ou organiser des guérillas, mais pour se déployer sur le terrain concret, celui de la réalisation des choses et non de leur destruction. On ne peut pas contribuer à réaliser ce type de choses en se détruisant. Et on n'arrive pas à se détruire en se dépassant. On arrive à ne pas se détruire, excusez-moi, en se dépassant. En étant constant dans l'effort et la volonté de bien faire. Ce sont des choses a priori simples. Que la capacité de nuisance du système complique à nos yeux. On expose donc pour bien comprendre et se rassurer, puis se dépasser et agir bien car encore une fois le moment l'exige. Bien des débats de toutes sortes ont lieu partout, mais à part égrener le chapelet de problèmes et de complots que tout le monde connaît déjà, rien ne bouge.
C'est bien à dessein que toutes ces informations sont maintenant disponibles, car la réalité dépassant la fiction, chaque observateur est choqué. Il ne sait plus où donner de la tête et ne bouge plus. Toutes ces informations que nous consommons, en définitive, ne font que contribuer davantage à nous immobiliser. Sinon, pourquoi à l'ère d'Internet et de l'information, les hommes sont tant attardés? Sinon, que justement la surinformation finit par désinformer. Pour être correctement informé, il faut savoir se former, s'informer, être dans des dispositions claires et faire preuve de dépassement pour franchir le cap du dévoilement et enfin se mettre en position de redevenir tout simplement un homme, un vrai qui fait ce qu'il faut quand il faut et fait ce qui lui plaît, quel que soit le pouvoir que le système ou la matrice pense avoir sur lui, car le dépassement déplace le référentiel et donc libère. Le système, mes amis, ou l'inconfort auquel il conduit ne peut pas être arrêté par des esprits qui ne font pas preuve de dépassement. Des gens avertis, conscients, instruits, informés, connectés surtout, en étant simplement profondément humain, réaliste, préparé, non dépassé par un ou des enjeux qui les dépassent certes, mais qui font honneur à leur qualité, en portant leur esprit au dépassement, bien reposé par la quiétude de l'âme qui est venue, qui a lutté et qui continue encore de gagner des batailles. Aussi minime soit-elle, car cette âme reste en mouvement, reste prête quoi qu'il arrive. Nous en arrêterons là pour que la passion ne nous fasse pas dépasser les limites du temps habituellement imparti. C'était donc la parole de l'âme reposée du frère et esprit libre qui, encore une fois, espère que l'intérêt de vous être arrêté une fois de plus devant notre mur virtuel de lamentation pour prendre écho des nouvelles de Free. Cet intérêt, mes amis, y aura été, mes amis, par le pouvoir du Tout-Puissant.